Mais ça reste compliqué. Après, en dehors du niveau, on a l'avantage d'avoir un très bon équipement. Hein. Alors, mon estomac, globalement, il va bien. Qu'en est-il de la partie ouest? On peut y aller. Donc, très probablement, un coin de boss. J'aimerais faire ça avant qu'on arrête. Mais j'aimerais le faire vite. Pour qu'on puisse faire l'équipement aussi et ensuite partir. Donc, je vais rush vers l'ennemi légendaire et espérer qu'il ne me tue pas. C'est beaucoup demandé, je sais. Peut-être que ça me permettra de gagner un niveau. De manière totalement impunie. Oui, c'est ma définition du rush. M'arrêter tous les deux pas parce que j'adore taper des oignons. C'est ma grande passion. J'ai loupé un truc là. J'ai complètement loupé la sortie. Ça va pas du tout. Sortie ouest. On est intéressé par l'ouest là. Oui, par ici. J'ai juste loupé le tournant. Non, je vais juste choper le truc, moi, merci. Au revoir. Pour augmenter mes chances de ne pas perdre un truc cool si je meurs. Enfin, j'espère que ce sera un gentil boss. Hein. Un gentil champion. Donc là, on est juste sur une étape transitoire. J'imagine que le champion très très fort, lui, il va être dans le cul-de-sac. Comme c'est généralement le cas. Donc là, il faut qu'on aille vers le sud. Qui est une colonne de différence. Non, c'est vert. J'ai cru que c'était jaune. Mais c'est juste vert. Voilà. Personne ne s'inquiète. Donc là, c'est vers le sud. Plein de mecs verts, c'est la fête. Des mecs péraves. Un autre mec vert. Là aussi, il y en a plein. Un plaisir pour les yeux. Très bien. Donc c'est par ici qu'on a les mecs qui one-shot. Donc soit ils mettent une grosse correction et je m'en vais. Mais au moins on aura essayé. Soit on arrive à les battre sans se faire toucher. Sachant que c'est des archétypes qu'on connaît déjà un peu, hein. C'est juste qu'ils sont plus forts. Par contre, juste qu'on serait habitué à les combattre. Alors, faut les trouver. Ah bah on commence direct avec des trucs en surniveau par rapport à moi. On commence bien. Il est midlife. Tu fais avoir un légendaire énorme. On est fan. Alors, qu'en est-il de ce boss? Sévère, je crois. Je vais enlever les lunettes parce que entre le vert et le jaune, j'ai du mal. Là. Je crois que toute la zone est au-dessus de mon niveau. Du coup, ça va être difficile de localiser les vrais fauteurs de troubles.
Parce que là, lui, il est au-dessus de mon niveau, mais bon, je le bolosse quand même. Ok, nice. Après, c'est une série d'arènes comme ça, ça me va. Hein. Du wood gamme, on apprécie. Moi qui espérais faire vite. J'ai des dégâts, c'est à cause de lui. Hein. Ok, on l'a vu. Ah. Ok, c'est du slash contre elle aussi. Aïe. Ah non. Ok. Terrible. Ensuite. C'est vrai qu'il n'y a aucun champion légendaire. La fin d'une vie. J'ai pas rebouffé derrière. Tellement triste. Cette musique. Vraiment épique. Elle commence à s'enjailler là. Les petits projectiles qu'on voit à peine. Eux commencent à m'emmener un peu trop loin là. J'aime pas ça. Je peux pas prendre plus de cookies. Pas de soucis. Voilà les cookies. Aïe. Ah bon. Alors lui je sais pas d'où il sort mais... passe sa meilleure vie apparemment. Hein. J'ai l'impression qu'il y a des gens dangereux sur la salle d'à côté. Ah, ce McFool est plein. Je le viderai. J'aurai des épiques à prendre. Des épiques assiettes. Ok, là on a un épique justement. Ok, c'est la partie qui fait peur. Poison. Nice. Stomach stock. Ok. Petite montée de niveau, ça fait plaisir. Ok,
Ok, un saut de clé. Le bâtard. Ça fait trop peur. Ça lui a quasiment rien fait. Je le signe. Oui, mais y en a des milliers. Tout va bien. On s'en sort. On continue de lancer tout ce qu'on a. Oula, il accélère, il accélère. Oh, nice. Le stomach stock est full, ça va. On va enlever ça. On va enlever tous les équipements là. Tous les équipements dégueulasses. Qui voulait faire ça vite. Il est honte. Je ferai le changement d'équipement, la gestion d'inventaire, je le ferai hors caméra. Ce sera moins ça de gagner pour vous. Même si je suis sûr que c'est une partie très intéressante pour vous, mais. Histoire d'éviter d'avoir une moitié vidéo avec ce combat, l'autre moitié avec des équipements, avec de la gestion d'inventaire. Nice. Ah, le légendaire est là. Remarque, non, il est vert lui. C'est complètement vert. Hein. C'est pas un vrai lui. On nous ment. Et voilà, vu les dégâts que j'ai fait. Vu les dégâts que j'ai pris aussi. Ah, ça glisse. Ok. Autre, hein. Tout pour plaire. Je fais tout en même temps, c'est terrible. Attention à ma chute. Et lui, c'est fait. Ineffective. Mutated. C'est pas ça non plus. Visiblement, c'est rien du tout. Rien ne lui plaît. Au moins, il est empoisonné. Déjà, ça te prie. Oups. J'empoisonne à nouveau, là. Ce serait bien. Nice. Excellent. Ok, on se débrouille plutôt pas mal. Bon, dès qu'on a le légendaire, on fait demi-tour. Dès qu'on a eu l'occasion de le combattre. Ok. Intéressant ici. Ah, petit bâtard. Nice.
Cool, ça on va en profiter. On va lever un truc. On met ça. Oups. Pas la bonne forme. Alors où est-ce que j'ai pas été? Bah beaucoup d'endroits visiblement. Ah mon dieu. La zone sans fin. Je crois qu'il n'y a plus que des petites arènes. Hein. Ah bah je suis un peu trop en colère. Hein. Faut se calmer monsieur. C'est pas bon pour vous. Hein. Allez bâtard. Ok, ça c'est nice. C'est ça que je voulais faire. On va enlever ça. Ça. Ok, c'était mignon. Bon, et si on perd contre Jean-Jacques Légendaire, on dirait que c'est un échec. Hein. Pour des raisons de temps. Vraiment la dernière seconde. Oh la vache, oh, le coup de fou il fait tellement mal.